Allez, un 6. Papa veut un 6. Fais chier! Ah! Et 20 au rein pour le grand-père! Viens voir, il s'est réveillé. Les cinglés rentrent pas là-dedans. Oh, la ferme! Il est enchaîné, il peut rien me faire. Pas vrai, maître Gérald? Oh! Relance! Pourquoi? Le dé n'a pas roulé! Tu me traites de tricheur? Retire ça! Hé, elle se réveille à nouveau! Un chasseur de monstres, un simple connard, oui. Il paraît que les sorceleurs sont des orphelins ramassés au bord de la route, et qu'on fait des expériences sur eux. Qui paraît aussi qu'au solstice, ils forniquent avec les sorcières. D'où ces pupilles infâmes. Assez! Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Je te croyais mort. Je suis du genre coriace. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Je t'emmerde. C'est moche. Surtout après ce que nous avons vécu. Oui, du même côté de la barricade hier, mais face à face aujourd'hui. Tu peux changer ça. Tu veux que je m'assoie sur tes genoux? Sin! Détache-le. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse? Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur, tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement, on te dépecera vivant, et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Téméria. Glorieux. Je commence par quoi ? La journée a été longue. Commence par le plus important. Au début, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Ariane de la Valette. Lord Sexen, vous allez forcer la porte pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, votre majesté. Messieurs, suivez-moi.
pour Temeria! Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Arienne de la Valette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres! Gérald, messieurs, suivez-moi! Pour la gloire! Reculez, bordel de merde! Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez? Ils sont en bonne position, les salopins. Si ça continue ainsi, ils vont nous tirer comme des pigeons. Vous avez une idée? La baliste devrait régler le problème. Thank you.
de voir cette porte voler en éclats. Rendez-vous, ou vous crèverez comme de sales chiens. Arienne de la Valette, il va nous donner du fil à retordre. Capitulez, Arienne, et on vous épargnera. Allez vous faire mettre, roi. Arrosez-les de flèches, du nerf, soldats, pour Téméria. Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être? Je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ses terres, il est impétueux mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. Couvrez le sorceleur! Le grand Gérald de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Puisque vous insistez... L'héritier d'une des plus anciennes lignées témériennes est mort des mains d'un chasseur de monstres. Voilà bien là notre époque. Tu regrettes Arienne ? Non, il était le représentant d'une espèce mourante, et un traître de surcroît. Raconte. Que ce soit bien clair, j'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas Foltest.
Sorceleur, vous dormez ? Sa Majesté, le roi de Temeria, du Pontar, de Mahakam et de Soden, seigneur protecteur de Brug, somme maître Geralt à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi... On a compris. Excellente journée à vous, madame. Sorceleur. Quelle guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Une guerre juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mais concupiscent monarque ? Sire, cessez les amourettes, arrêtez de semer des bâtards et évitez les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône ? Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais. Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois. Et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris, nous lèverons le camp. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage ? J'ai le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir d'y trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Qui sait ? Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. À propos de l'assassin malchanceux, comment s'est passée l'autopsie ? Un cauchemar. Depuis que vous l'avez tué, voilà un mois, les médecins du roi ont épluché son cadavre. Une horde d'amateurs aurait fait mieux. Ce qui est arrivé dans la charrette, ce n'était même plus un corps. Foltest n'est pas de nature confiante. Qu'as-tu appris de ton côté ? Ses pupilles laissent penser qu'il pouvait voir dans le noir, tout comme toi. Je suis incapable de lui donner un âge. Tu veux dire que l'assassin qui est passé devant les gardes et nous a presque tué Foltest et moi serait un sorceleur ? Peut-être. Je ne fais que rapporter les résultats de l'autopsie. Je ne l'ai dit à personne et je compte rester discrète. Je sais l'impact que cela pourrait avoir sur toi. Tu es peut-être un sauveur, un sorceleur du roi maintenant. Mais les maîtres peuvent se montrer aussi capricieux que les poulains qu'ils montent. Un éclaireur jure avoir vu un dragon en aval de la rivière. Il prétend être tombé sur une unité de Scoia'tael. Si le dragon n'avait pas fondu sur eux, c'en aurait été fini de lui. Apparemment, les elfes ont commencé à prier et il s'est enfui. Un dragon ? En pleine zone civilisée ? De toute façon, ça ne nous regarde pas. Les sorceleurs ne chassent pas les dragons. Je me trompe ? Non, tu as raison. Ce n'était probablement pas un dragon. Plutôt un fénard ou une margouillasse. Ou une wyverne géante. L'éclaireur est tombé sur un groupe d'elfes et a pris ses jambes à son cou. Fin de l'histoire. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Qu'on fabrique des radeaux et qu'on vole, qu'on réquisitionne des barques depuis une semaine.
C'est à leur bord qu'on traversera la rivière. Ordre de sa majesté le roi Foltest. Quelque chose à redire, bande de merde. Vive le roi, roi. Ordre serré. En avant. Ah. On dit qu'Honor fut une tribu de sauvages qui partent au combat à poil. Content de te revoir. Bonjour, sorceleur. Tes épées pourraient servir aujourd'hui. Est-ce que Foltest compte tenir le siège? Non. Nous nous préparons à l'assaut. Enfin. À vrai dire, je préfère rester assis ici plutôt que risquer ma peau sur ces murs. Tu as des informations à propos de celui qui a tenté de s'en prendre à Foltest? J'en ai parlé autour de moi. Et? C'est une énigme secrètement gardée. Je pensais que tu connaissais les bonnes personnes. Je connais tous les coupes-jarrets de Temeria. Le souci, c'est que ton assassin venait d'ailleurs. Tu en es sûr? Aussi sûr que je suis soldat. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu as tué le Cocatrix? Magnifique! Pas trop pénible? Simple routine pour un sorceleur. Tu auras ta récompense dès que nous en aurons fini avec les lavalettes. Je saurai me montrer généreux, tu verras. J'aimerais autant maintenant. Les promesses faites avant un combat sont souvent difficiles à tenir. Je vais crever. Je préfère ça plutôt que glisser sur mes entrailles.